Et c'est un excellent départ pour cette première course. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle découverte. On est aujourd'hui à bord de la BMW M235i Racing. Oh, on se fait toucher derrière. Et on est parti pour une première course de présentation dans cette découverte ici sur le tracé de Zandvoort. On va passer ensemble en revue les spécificités de cette voiture. On attaque à l'intérieur, ça ne passe pas. Avec, vous le voyez, différentes couleurs qui sont arborées par ce championnat monomodèle qui est en fait une catégorie également du VLN, hein, ce championnat allemand dont font partie, les 24 heures du Nürburgring. Alors le Nürburgring, on ira dans un prochain on-board le parcourir avec cette voiture, mais pour l'instant on va s'attaquer à trois petits circuits. Je ne sais pas où on ira par la suite, mais on va commencer donc par Zandvoort. Cette voiture est disponible depuis avant-hier sur le store Raceroom. Elle avait été annoncée il y a de cela plusieurs mois, mais avait été mise en pause par les développeurs suite à d'autres priorités nécessaires en termes de développement de voitures, comme par exemple les Audi TT Cup qui ont pris un petit peu les devants. Cette voiture est disponible dans la description sur le lien officiel du store Raceroom pour la somme de 3,48€, à peu près 350 VRP, quelque chose comme ça. Et si vous souhaitez l'acquérir en compagnie de ces 23 livrets, il vous faudra débourser la somme de 7,28€ directement. Alors que là, ça joue du portière contre portière à la chicane. Allez, ça glisse aussi. Et ça pousse, vous le voyez. Allez, on va essayer de se porter à la hauteur de cette voiture à l'extérieur. Est-ce que ça peut passer? C'est pas simple. Et ça survient. En tout cas, cette voiture, on va en parler un petit peu au niveau de la fiche technique. C'est donc une voiture twin turbo, twin power du coup, avec un moteur 3000 cm3, un 3 litres, donc de 333 chevaux, 245 kW. C'est un 6 cylindres en ligne, bien entendu. Allez, ça attaque. Et c'est une voiture qui a fait donc ses débuts en 2014. En compétition, et c'est un championnat qui a été développé un petit peu partout évidemment, avec quelques évolutions sur la voiture, notamment avec l'aileron qui n'était pas présent au début, etc., etc. Et cette voiture finalement depuis 3 ans évolue bien dans différents pays, notamment au Benelux, donc chez moi, où le championnat se porte pas trop mal. En tout cas, j'ai pas précisé, mais la voiture pèse 1 tonne 425 sur la balance, et force est de constater que l'intérieur, en tout cas, vous le verrez en caméra embarquée, est assez réussi. En tout cas, une nouvelle fois, c'est Koda Factory qui travaille en compagnie des développeurs de Sector 3 pour les livrer. Et une fois de plus, ici, ça ne manque pas de jouer. On retrouve de grosses équipes comme le Walkenhorst, le Sorgen Sport, etc., etc. En tout cas, vraiment, les livrées sont superbes. Elles sont toutes tirées du VLN. Alors, une chose qui manque maintenant dans Race Room, c'est le multiclasse. On s'est fait toucher d'ailleurs par la voiture derrière. C'était le multiclasse qui aurait dû être, je pense, importé beaucoup plus tôt, parce qu'entre la TT Cup, cette BMW et les GT3 à disposition, ça peut nous permettre de réaliser des 24 heures du Nürburgring en multiclasse, en multijoueur, absolument somptueuse. Mais je pense que ça, c'est dans les plans. Hop, attention, ça touche dans. Hop, ça survit aussi dans les plans de Sector 3 dans un avenir proche. Eh bien, écoutez, on va attaquer à l'intérieur. On freine tard. Ça ne passe pas. Alors évidemment, ces découvertes sont en live. Je suis évidemment avec le TSPC Racer. Et je peux vous dire qu'avec la voiture que j'ai sous les yeux, je prends un pied monumental. Alors attention, je ne dis pas ça parce que c'est une BMW et que ceux qui me suivent savent bien que j'aime les BMW. La voiture a des qualités, notamment une qui... Allez, oh, ça passera pas. Non, ça touche. Ça a touché, mais on va quand même continuer d'attaquer. Ça glisse aussi un petit peu en survirage, vous le voyez. En tout cas, une qualité que cette voiture a, c'est qu'elle est ce qu'on appelle dans le métier un bouche-trou. Alors, je m'explique un petit peu. Sur Raceroom, on a de très très bonnes touring cars, de très très bonnes GT, de très très bonnes petites formules de promotion. Mais on n'avait pas de petites touring cars, et cette voiture fait parfaitement la jonction entre certaines catégories de monoplaces, comme la Formule 4 Tatus par exemple, ou encore le WTCC ancienne génération. Cette BMW a un équilibre absolument kiffant. C'est vraiment très très plaisant de piloter avec cette voiture. En tout cas, ce que je peux vous dire
évidemment, c'est que si vous voulez investir dans une voiture pour débuter Race Room, je pense que celle-ci pourrait être un choix intéressant. J'ai failli la perdre du coup là. Ça va sûrement recroiser à la réaccélération, ça touche. Ah, c'est chaud là, on va essayer de la gagner quand même, hein, cette première course. Mais on a des candidats à la victoire. Tout notamment, on pensera au pilote belge Frédéric Verwisch, hein, qu'on a vu très en forme aux 24 heures de Spa le week-end dernier, qui est ici présent dans la liste des pilotes roulant dans cette 2.35 Racing Cup. Allez, la dernière chicane de cette course ici à Zandvoort. On va la terminer, on va se retrouver sur une autre course juste après, et je vais continuer en votre compagnie ma petite explication et présentation de cette BMW. Départ de la deuxième course, nous sommes maintenant partis sur la ligne droite, en tout cas la courbe de Brands Hatch, et on va plonger dans Paddock Hill Bend à l'intérieur. Allez, hop, ça touche, mais ça passe, et c'est vraiment, voilà, ceux qui se plaignaient de la présence peut-être trop importante de petits circuits suédois dans Race Room, et bien on a désormais un jouet super bien adapté au physionomie de piste à 3 de front, ça peut pas passer. Attention à l'extérieur, ouais. On s'est un peu fait bousculer. Cette voiture, vous la découvrez avec sa caméra embarquée. Je vais essayer de faire différents plans évidemment au montage, mais elle est très réussie avec ses LED présentes dans le volant et ce mini motec, ce mini dashboard. À une époque, sur les premières générations de M2, on avait simplement le rapport de boîte en rouge, c'est ce que vous avez dans Assetto Corsa. La voiture est disponible d'ailleurs dans le jeu Assetto. Mais ici, on a vraiment un mini motec qui fonctionne avec le rapport de boîte, le temps autour, etc. Et les LED qui vont s'accroître au fur et à mesure de votre montée dans les tours. Pour la réalisation de la voiture, c'est vraiment du très fin, du tip-top. On a vraiment quelque chose de tout à fait précis, la caméra embarquée et le cockpit détaillé, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. C'est souvent dépouillé dans ce genre de deux voitures de course, eh bien c'est vraiment très sympa. Je vais me taire pendant quelques instants, histoire de vous laisser profiter un petit peu du son de cette voiture, parce que c'est aussi l'un de ses atouts, puisque oui, Race Room, eh bien, a un avantage comparé à ses petits camarades sur le marché, c'est le son des voitures. On l'a encore vu avec la présentation de la future Porsche Super Cup qui fera son apparition dans quelques mois. Eh bien ici, on a vraiment on board ou en bord de piste quelque chose de très plaisant pour les oreilles avec ce moteur BMW. Attaque à l'extérieur dans le Paddock Hill, ça ne passera pas je pense, quoique on va pouvoir peut-être replonger à l'intérieur dans cette très courte épreuve de trois petits tours ici sur Brands Hatch. Mais c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt de cette voiture dans le jeu, c'est que tous ces petits tracés que l'on avait parfois peur d'emprunter avec ou avec des GT ou avec d'autres voitures plus grandes, et bien ici trouvent vraiment leur place et j'ai hâte de les parcourir avec vous. Malheureusement il est trop tard pour la carrière parce que on a déjà trop évolué, mais ça, pour du multijoueur, faire une deuxième division dans un championnat de GT peut être vraiment très 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 intéressant, parce que la voiture est facile à prendre en main de par ses aides que je vais évoquer tout à l'heure et surtout de par son comportement extrêmement prévisible.
Le départ plutôt réussi ici à Zolder en Belgique pour conclure cette présentation avec l'extérieur ici dans le premier gauche. Ça passe finement. Par contre, ici, il va y avoir du monde à l'intérieur. On essaie de plonger. Est-ce que ça peut passer? Ça touche. Hop, on va mettre 2 ou 4 roues dans l'herbe. On revient. Oh, le survirage, c'est compliqué. Mais voilà, c'est une voiture très, très facile à tenir. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la voiture vient dans Race Room apporter un petit peu de fraîcheur avec un comportement très, très, très facile à aborder pour les débutants avec notamment un anti-patinage, un différentiel... mécanique donc d'anti-patinage, l'ABS, le traction control, la stabilité, bref, en tout cas, cette voiture n'est pas trop puissante, cette voiture n'est pas trop dangereuse parce que, sincèrement, vous pouvez appréhender son comportement assez facilement et donc je pense que pour débuter dans une ligue, dans un championnat Race Room, si vous n'avez jamais prêté attention au jeu, ça peut être quelque chose d'assez accessible et une belle porte d'entrée pour découvrir la simulation, en tout cas la plateforme. Ça glisse beaucoup, alors pour vous préciser, les IA que vous avez vu depuis le début de cette vidéo sont en difficulté 100, à égalité donc avec ce que je peux proposer comme contenu, et surtout avec la difficulté Get Wheel, c'est-à-dire sans assistance supplémentaire par rapport à ce qui est disponible dans la réalité. Cette voiture est donc disponible sur le store pour la somme de 3,48€, à peu près comme toutes les voitures monomodèles. C'est le cas par exemple de la TT Cup ou la M1 Procar, etc. Donc toutes les voitures monomodèles coûtent environ 3,50€, 4€. Celle-ci est un petit peu moins chère, effectivement. C'est une voiture... Oh, on est allé toucher la voiture devant, attention, l'herbe. Oh, ça revient. C'était très très tendu devant aussi. On le voit dans le fond de l'image que c'est chaud pour la tête de course. Donc franchement, c'est un excellent choix pour débuter Race Room. Alors est-ce que, si vous avez déjà Race Room depuis longtemps, est-ce que cette voiture reste intéressante? Est-ce que ça n'est pas désuet de remettre un petit peu d'argent dans cette voiture qui n'est pas forcément la plus au top ou la plus aboutie? Eh bien oui, finalement, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est encore autre chose comme comportement. On n'a pas le même aéro que sur une WTCC moderne, on n'a pas le même comportement que les WTCC anciennes ou que les anciennes DTM. Donc c'est vraiment un touring car... Petite catégorie, c'est vraiment l'école du tourisme, cette BMW, et je pense qu'elle a parfaitement sa place dans une carrière après avoir fait par exemple de la Formule 4 ou encore peut-être même de la Formule 3. Je la classerai, c'est l'équivalent de la peut-être de la Formule 3 version tourisme, cette BMW qui certes ne nécessite pas d'acheter les 23 décorations, vous n'en avez pas peut-être dépensé 7,28€, je ne vous le conseille pas d'ailleurs, surtout si vous allez sélectionner votre voiture favorite, regardez bien les décorations, achetez-en une et voilà, n'allez pas essayer d'acheter toutes les décorations si évidemment vous n'avez pas plus d'intérêt que cela pour cette voiture. Au niveau du son, vous l'avez entendu un petit peu tout au long de la vidéo, j'ai laissé quelques phases où je ne parlais pas pour entendre le comportement à l'intérieur et à l'extérieur. Ça pétarade bien, c'est assez rauque, ça correspond bien au son pour l'avoir entendu rouler IRL, c'est une voiture qui correspond bien à ce qu'elle est dans la réalité. On regrette peut-être un petit peu le claquement qui manque à la décélération, le claquement des gaz à l'échappement qui est peut-être un peu trop faible en vue intérieure, puisqu'à l'extérieur on a vraiment la sensation d'un essaim d'abeilles de bourdon qui passe vraiment à proximité, et c'est vraiment très très plaisant. Pareil, la mise au point de la voiture est assez simple dans les paramètres, mais elle est facile à appréhender, facile à monter en piste quel que soit le tracé sélectionné. Par contre, évidemment, n'allez pas rouler avec cette voiture à Indianapolis, à Spa-Francorchamps ou encore à Bathurst. Vous risquez de vous embêter parce que la piste n'est vraiment pas faite pour. Allez plutôt tester ces voitures sur des petites pistes comme Knustorp, Brands Hatch, comme je l'ai fait, ou Zolder. Des tracés un peu plus petits, plus adaptés à cette voiture, parce que plus c'est tortueux, plus ça risque d'être fun. On regrette par exemple l'absence d'un circuit comme Caldwell Park, Houghton Park aussi. Ce sont des pistes qui auraient... Hop, 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 il va aller mettre dans l'herbe lui. Ce sont des pistes qui devraient être présentes et qui seraient beaucoup plus agréables avec ce genre de voiture, surtout si celle-ci continue de se démocratiser dans le jeu. On pense notamment à la KTM Crossbow GT4, une autre petite voiture qui a été présentée en photo vite fait il y a quelques mois par Race Room et qui finalement... est bloqué pour des raisons de licence. Voilà, écoutez, je vais refermer ici ma petite explication, à défaut de fermer la porte à la voiture à côté de moi. Allez, ça bastonne. J'espère vous avoir fait
convenablement le tour de cette BMW. Je vous invite sincèrement à vous rendre dans la description pour y découvrir toutes les spécificités techniques et tous les paramètres concernant cette voiture. Et si vous voulez l'acheter, le lien du store est également disponible. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, eh bien, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. Les amis, je veux la voir. Je reste à l'intérieur, ça va être chaud jusqu'à l'arrivée de cette course. À la prochaine, salut !